Hey, salut tout le monde, on se retrouve pour ma carrière suivie sur OTS. Alors c'est parti. Voilà. On va mettre le GPS vu que j'en ai pas encore dans le camion. On n'a pas le choix. Il est temps d'investir, mais bon, il faut de l'argent. Et on est qu'à 39 000. Il faut encore rouler, rouler, rouler un peu. Alors, pour ne pas changer, encore une mise à jour. On est maintenant sur la 1.20. Donc, je suis de retour encore à Liège. Alors que j'étais à Antwerpen la dernière fois. C'est bien les mises à jour, il y a toujours du beau, mais c'est embêtant quoi. Démarre en 7ème, c'est pas grave. En air vide. On est en solo plutôt. Mais en tout cas, j'espère que vous allez bien. Les échéances de prêt, évidemment. 36 000, on a déjà plus que 33 000, hein. Donc je ne sais plus ce que je disais. Ah oui, j'espère que les vacances se sont bien passées. Que la reprise du boulot n'est pas trop dure. Quand on n'a pas le choix. Pour ceux qui sont à l'école, bonne chance. Bon courage. Pour ceux qui ont repris le boulot, bon courage aussi. Hein. Alors je suis toujours sur la promode normalement. Non pas normalement, je suis toujours dessus, la nouvelle version. Adaptée au 1.20. J'ai normalement la Russe Map. Toujours. Il n'y a que la Pologne rebuilding, pour l'instant j'ai un petit problème. Quand je la mets, le jeu plante, donc j'évite de la mettre. Je verrai plus tard qu'est-ce qui se passe. Ouais. C'était laquelle des deux? Je me dis pas que je suis arrivé trop tard. Apparemment, oui. Fait rien, on va reprendre une des autres. On va voir où est-ce qu'on va. On recommence. Donc je suis là. On a le choix Dijon ou Kassel. Bon, on va prendre Dijon. En même temps, si je prends Dijon, ça gagne plus, d'accord, mais. Comme tout le monde le sait, en France, il y a des péages. Donc la différence, je vais les mettre dans le péage. Donc je vais en Allemagne. Ce côté-là, normalement, il n'y a pas trop de péage.
Ah bah, en plus j'avais même pas fait attention. On va pouvoir prendre ma remorque personnalisée. Qu'est-ce qui m'a fait monter et descendre? Il est monté, ok. Voilà. Transport Yves Robert. C'est parti. Non. Ça va aller. Hello. On est parti pour l'Allemagne. À droite ça va, à gauche je n'en sais strictement rien. Alors j'avance à tâtons. Ça c'est quand on sort mal de l'entreprise. Tu me laisses passer, c'est gentil toi. Je n'ai même pas regardé ce que je transporte. J'ai juste regardé combien ça rapporte. Des boissons, 23 tonnes. C'est bien, si j'ai soif en cours de route, je peux m'arrêter. Allez. Toujours la boîte de vitesse version Scania. Mine de rien, 23 tonnes, on le sent. Hein. Avec mon petit camion. Ça va aller, ça va aller. Faut le temps de reprendre la main. Ça fait quand même un petit mois que j'avais pas sorti de vidéo sur ETS, que j'ai pas joué d'ailleurs. Enfin, j'ai joué mais j'ai pas tourné de vidéo. Je n'ai pas joué sur ma carrière ici évidemment. Parce que ça je la fais avec vous. Mais j'ai pas joué tant que ça. Ça me fait un peu drôle de reprendre. Un peu perdu l'habitude de la boîte de vitesse. C'est comme le vélo, ça revient vite. Nous voilà déjà à l'ancienne frontière. Voilà, on rentre en Allemagne.
Encore une petite mission. Pour l'instant, on n'a pas beaucoup évolué. Le pont qui surplombe le Rhin, grand fleuve allemand, ouais je dis bien allemand. Parti en direction de Cologne. Enfin, on va le contourner, on passe pas vraiment dans Cologne nous. Coup de frein hydraulique, on roule à 80, passera, passera pas, allez hop, oh ce que j'avais, évidemment, GPS un peu trompeur là. Heureusement, il n'y avait rien derrière. Un petit buisson qui dépasse là. Hop, je vais tourner du coup. Voilà, Cologne est sur notre gauche, mais nous on continue tout droit. Direction Dortmund. Encore aller assez vite aujourd'hui. Il reste déjà plus que 176 km. J'ai encore failli me faire avoir. Très bien que la GPS parle comme les vrais qui nous disent rester sur la bande, changer de bande. Mais bon, comme c'est la promo, c'est pas évident non plus. Allez, Osnabrück.
commence à ralentir un peu. On sent qu'il y a du poids à l'arrière. Prendre à droite, un petit coup d'œil pour voir s'il n'y a rien, c'est bon. Publicité sécurité routière. Si je m'abuse, ne pourra pas oublier d'attacher sa ceinture, très important. Ça peut sauver des vies. La vôtre si vous êtes à l'avant. Et celle des autres si vous êtes à l'arrière. En cas d'accident, l'arrière sans ceinture. Ça fait mal pour ceux qui sont de devant. Mais aussi pour vous. Alors les jeunes, attachez votre ceinture. Alors, est-ce que j'ai besoin d'essence? Non, ça va, on continue alors. Passer à la deuxième. Vitesse croisière, 80. Je me dis un peu trop haut là. J'ai pas eu le temps de regarder la pancarte, je ne saurais pas vous dire ce que c'est. Cassel tout droit. C'est un peu 11e. Le régime est un peu bas. Ça klaxonne derrière, mais c'est pas ma faute. Hein. Voilà, pas passé loin là. Zone de travaux. Pas beaucoup de circulation dans l'autre sens, étonnant. Ça, c'est quand on se trompe dans la vitesse.
ralentir parce qu'on va tourner à droite. Zone de travaux en plus. Accident à gauche. Welcome, bienvenue. J'ai encore le temps là. Laissez monter à son aise. Ça sert à rien de forcer puisqu'on arrive au carrefour. C'est bon, c'est gentil ça. Mais il est con lui. Il me laisse passer, puis il vient me foncer dedans. C'est bien ça, j'ai pas rêvé. Ah là là. Cette IA, je vous jure. Heureusement, elle m'a pas fait de dégâts à la remorque. Je rends en plein travail. Ah là là, quand est-ce qu'ils vont nous corriger là, ils... Sérieux? Seule découverte. Ça, faudrait qu'on m'explique pourquoi mettre du grillage pour empêcher les gens de passer, alors qu'on met une haie entre les deux sur laquelle on peut monter. Enfin, on va pas chercher à réfléchir, c'est qu'un jeu. On arrive déjà à destination, ça a été vite cette fois-ci.
manœuvre en entreprise. 10 km/h. Sauf s'il y a des panneaux qui disent 20 ou 30. Toujours les warnings pour bien attirer l'attention. Allez, on reste. C'est un peu trop. Redresser. Et voilà. Et bien c'est là qu'on se quitte. Je vous dis merci et à la prochaine. Merci d'avoir regardé. N'hésitez pas à me mettre un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et je vous dis à la prochaine. Allez, bye bye. Portez-vous bien.